Chers amis internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre dans une nouvelle émission, Le Droit de Savoir, une émission que vous suivez régulièrement et qui est votre rendez-vous juridique, on va dire périodique, maintenant avec, en collaboration, en co-construction avec notre partenaire Astrée Avocat. Vous voyez le titre de cette émission, la déferlante réglementaire 2023. Oui, ça fait peur, n'en jetez plus. Alors, est-ce qu'il y aura un jour une pause dans la réglementation? Ça n'en prend pas le chemin pour le moment. On va se souvenir de 2022 comme une année un petit peu difficile sur bien des plans géopolitiques, économiques, et puis aussi pour l'actualité du secteur de l'assurance. Alors, elle va se poursuivre, cette actualité, ce qui a été fait en 2022 va se poursuivre en 2023. Et en tant que distributeur, vous allez devoir vous adapter à un certain nombre de processus dans l'exercice de votre activité, et ce que l'on disait, une avalanche de réglementation. Alors, nous allons en citer comme ça plusieurs. Il y aura le règlement DORA sur la sécurité informatique, peut-être on l'aviez-vous plus en tête. Il y aura la mise en application de la publication de la doctrine fiscale sur la TVA qui, apparemment, est un peu plus compliquée que prévu. Et puis, il y aura l'adaptation du devoir de conseil aux réflexions européennes sur la transparence des frais. Et puis, l'accompagnement des investisseurs vers le financement de la transition technologique et de la transition climatique. Sur ce chapitre aussi, n'oubliez pas le nouveau questionnaire de préférence ESG pour déterminer les intentions du client en matière de finances durables. Donc, tous ces sujets feront l'objet d'émissions spécifiquement dédiées en 2023. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous allons nous occuper de réformes, peut-être un peu plus discrètes, mais néanmoins très importantes, qui vont intervenir soit à compter du 1er janvier 2023, soit à compter du 1er juillet 2023. Et ces sujets, nous allons vous les présenter. Quels sont-ils? On en a choisi trois avec Astrée Avocat. Le premier sera le dispositif d'autorégulation issu de la fameuse réforme du courtage. Le deuxième sujet sera les nouvelles dispositions concernant les conditions de résiliation et de renonciation offertes aux consommateurs sur les produits d'assurance. Et enfin, le troisième, ce sera la recommandation ACPR sur la gestion des réclamations. Pour nous accompagner dans cette présentation, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau, alors évidemment Isamel Bonalafin. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Voilà, toujours fidèle au poste, hein, comme je le disais, co-conceptrice de cette émission, Le Droit de Savoir. Nous avons aussi Stéphanie Ruscon. Bonjour. Directrice juridique et conformité de Sénat. Vous nous expliquerez ce qu'est Sénat, une compagnie d'assurance nouvelle génération, hein. On dit un petit mot. Et puis, Johanna Candolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice juridique régionale Europe et membre du comité de direction d'Assurante, courtier. Vous expliquerez aussi qui est Assurante tout à l'heure. Alors, l'autorégulation, premier sujet, hein, si vous avez bien suivi. On va commencer par Isabelle. Par le cours magistral. Hein, Isabelle aime bien faire le cours magistral. En tout cas, elle va nous rappeler les règles et les obligations donc, qui s'imposent à nos internautes distributeurs en vue du renouvellement donc ORIAS 2023-2024. Voilà, alors cette réglementation, on se rappelle Jean-Charles, elle date de la loi du 8 avril 2021. Oui. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2022, mais pour des questions d'organisation, en réalité, la mise en œuvre opérationnelle a été reportée pour le renouvellement qui va avoir lieu en 2023. C'est un dispositif tout à fait nouveau, tout à fait innovant en France. Les pouvoirs publics ont souhaité confier aux associations professionnelles des pouvoirs d'autorégulation du secteur d'activité. Donc ce sont des associations professionnelles qui ont été constituées par des professionnels et qui ont été agréées par la CPR dans un dispositif relativement contraignant et long. Elles ont été agréées aux alentours du printemps 2022, ces associations. Et les courtiers d'assurance et leurs mandataires, ainsi que les courtiers en opération de banque et leurs mandataires, sont obligatoirement tenus de choisir l'une d'entre elles pour pouvoir renouveler leur immatriculation au registre ORIAS à compter du mois de janvier 2023. Donc là, on est vraiment dans le dur, dans des délais extrêmement brefs pour ceux qui n'auraient pas encore compris que cette obligation était vraiment impérative. Il n'y a pas eu de délai complémentaire puisque, comme vous le savez, il y a eu entre-temps un petit problème, je dirais, de timing, puisque une association professionnelle avait exercé un recours contre cette législation.
de façon à, le cas échéant, la faire reconnaître comme non conforme à notre Constitution. Et par un arrêt, le Conseil constitutionnel, au mois d'octobre 2022, a validé ce dispositif en expliquant que les courtiers d'assurance et leurs mandataires, ainsi que les courtiers en opération de banque et leurs mandataires, étaient tout à fait en mesure de pouvoir faire l'objet de mesures restrictives de liberté, étant donné le caractère réglementé de leur profession et la nécessité que les pouvoirs publics aient fait d'initier, au travers de ces professions, des mesures destinées à protéger les consommateurs d'assurance. Donc aujourd'hui, le dispositif est validé, mais malheureusement, nous pensions qu'éventuellement les pouvoirs publics donneraient un délai complémentaire, puisque les dispositifs de mise en œuvre ont été un peu interrompus au moment de cette période. Tel n'est pas le cas. Donc vraiment, le premier message à passer à nos internautes, c'est qu'il est tout à fait urgent de s'adresser rapidement à une des associations agréées pour faire cette adhésion. Alors il y en a 7 des associations, NDIA, Anacofi Courtage, CNCGP, CNCEF, Compagnie IAS, AFIB et votre asso. Donc elles sont tout à fait accessibles par Internet et chacun des courtiers et de ses mandataires doivent absolument les contacter pour régulariser le plus vite possible leur adhésion. Alors le rappel, ça ne concerne pas les agents généraux d'assurance, cette réglementation. Ça ne concerne pas les agents, les y compris lorsqu'ils ont une immatriculation au registre en qualité de courtier. Voilà. Et ça ne concerne pas non plus les mandataires d'assureurs, ni les mandataires d'intermédiaires d'agents généraux ou de mandataires d'assureurs. Hein, parce qu'on a souvent ces questions, je suis MIA, mais si je suis MIA d'un agent, je n'ai pas l'obligation de m'immatriculer. Si je suis MIA d'un MA, je ne suis pas obligé de m'immatriculer. Je ne vais m'immatriculer que lorsque je suis un mandataire d'un courtier. Ça, c'est très important de le préciser. Qu'il soit d'assurance ou IOBSP. Hein. Alors, le choix est libre. Il n'y a pas d'obligation d'aller vers tel ou tel autre. On constate néanmoins qu'elles se sont un peu spécialisées, ces associations, et qu'elles ont un petit peu créé leur dispositif en regard des activités qu'elles avaient l'habitude d'adresser, soit parce qu'elles sont au départ issues de syndicats professionnels, soit parce qu'elles avaient décidé de s'adresser à une catégorie d'intermédiaires. Donc il n'est pas inutile quand même de regarder quel est l'environnement des adhérents dans les statuts de ces associations pour faire le choix de l'association au sein de laquelle on aura le meilleur service, le plus adapté à l'activité que l'on exerce. D'accord. Donc certaines sont des associations. Enfin, il y a les 4 associations de CIF, de conseil d'investissement financier, qui finalement sont agréées. C'est ce que sont vous dites dans voilà. cette liste-là. Alors certains vont préférer avoir des courtiers. Si on est courtier d'assurance vie, on a quand même tout intérêt à rejoindre ces associations. D'autres associations de CIF sont prêtes à accueillir, ont même créé des structures pour accueillir des courtiers. Le courtage de dommages. Le courtage de dommages. Donc il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de choisir. Merci pour cette présentation. Pour nous remettre en tête cette autorégulation. Stéphanie, en tant qu'assureur, est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe ? Alors d'abord un petit mot sur Sénat et ensuite vous pourrez répondre à ma question. Alors oui, Sénat, c'est une compagnie d'assurance qui a obtenu son agrément il y a 3 ans maintenant. Nous sommes spécialisés en assurance affinitaire, comme par exemple la santé animale, l'assurance annulation spectacle, voyage. On fait aussi de la garantie loyer impayé ou de la caution. Et en fait, on a à cœur... Notre particularité, c'est d'accompagner en fait nos courtiers partenaires. Donc, on les accompagne de la conception de leurs produits d'assurance, avec bien sûr la tarification, mais aussi on les aide à construire les garanties qui vont avec. Et on leur fournit aussi une aide technologique pour leur faciliter la vie dans la distribution, enfin la commercialisation du produit d'assurance jusqu'à leur gestion, afin qu'eux-mêmes puissent se concentrer sur l'essentiel, à savoir leurs propres clients. D'accord, donc une compagnie récente, affinitaire. Oui, plutôt. Alors, est-ce que ça vous êtes préoccupé par cette réforme du courtage? Est-ce que ça vous touche? Ou est-ce que vous avez des questions de la part des intermédiaires? Alors, c'est un sujet qui nous a préoccupé, qui nous préoccupe toujours, parce que, comme je le disais, l'ADN de Sénat, c'est d'être au service de ses partenaires courtiers. Et donc, on a commencé à s'y intéresser d'un point de vue, on va dire, purement réglementaire, en étudiant le texte pour savoir à quoi s'attendre pour eux. Et puis, en fait, par la force des choses, on a dû regarder ça sous un angle un peu plus pratico-pratique, parce que ces dernières semaines, ils nous ont sollicité, surtout les courtiers, on va dire, de petite et moyenne taille. Ils sont venus nous voir en nous demandant mais à quelle association dois-je adhérer? Ah oui, donc ils viennent vous voir, ils viennent demander un conseil d'une certaine façon. On s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu perdus, parce que c'est vrai que si on connaît le nom des associations qu'Isabelle vient de rappeler, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'elles proposent. Et donc, à partir de là, alors même si en tant qu'organisme assureur, on ne doit pas leur préconiser telle ou telle association, on a un petit peu creusé la question, on s'est renseigné, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de différences d'une association à l'autre.
Alors des différences par rapport aux modalités d'adhésion, mais aussi des différences de services fournis et aussi une très grande différence en termes de tarifs. Ah. Et ce n'est pas anodin parce que ça varie du simple au double, voire un petit peu plus. Oui, d'accord. De ce qu'on a compris. Ce n'est pas anodin, oui. Oui, complètement. Et donc, on a accompagné nos courtiers par rapport à ça, tout en leur laissant le choix. Et le retour terrain qu'on a, c'est que, au regard du timing, comme le disait Isabelle, qui devient de plus en plus, voilà, c'est au 1er janvier, ils privilégient les associations qui sont, on va dire, plus souples en termes de modalités d'adhésion et qui ont des tarifs forcément plus abordables. Voilà. Et donc... En plus, du coup, ils voient ça comme une contrainte, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se renseigner, ils n'avaient pas la connaissance, et donc c'est plus une contrainte, alors qu'en fait, ça devrait être un atout, finalement, d'adhérer à telle ou telle association. D'accord. Donc, on les accompagne, parce qu'on a à cœur, quand même, qu'ils exercent de manière conforme leur activité, et puis de leur conformité dépend notre propre conformité. Mais c'est vrai qu'on a un rôle qui est limité, puisque, après, chaque courtier est libre, travaille avec d'autres assureurs, et donc... Effectivement, ce n'est pas forcément simple en tant qu'organisme assureur de se prononcer, en tout cas de se positionner sur une des sept associations. Et merci. Alors, Johanna Canolo, vous, comment ça se... Est-ce que vous, évidemment, vous êtes concerné puisque vous êtes courtier. Donc, qui dit courtier, c'est que vous avez dû choisir, vous êtes en train de choisir peut-être une association. Alors, un petit mot sur assurante, pareil, même punition. Et puis ensuite, dites-nous comment vous avez choisi votre association. Alors, je ne me sens pas punie. je raconte avec plaisir que donc Assurante France est née de CWI initialement, courtier français installé à Aix-en-Provence, racheté par Assurance Inc. Un groupe américain coté à la bourse de New York, fort d'une implémentation de 21 pays dans le monde et 300 millions de consommateurs. Donc, on a, je dirais, le privilège d'être d'un expert courtier en produits affinitaires adossé à une grosse structure très largement implantée dans le monde. Donc, pour faire court sur la distribution des produits qu'on propose, c'est assez varié. Ça va des produits connectés du foyer en passant par des moyens de paiement, l'auto, ce qui nous permet de bénéficier, je dirais, d'un placement unique sur le marché affinitaire français. D'accord. Et petite spécificité peut-être, on a d'autre part à cœur chez Assurante la reprise du matériel électronique, donc un engagement assumé pour privilégier le processus de développement durable et donc qui s'inscrit bien dans l'air du temps de ce qu'on appelle communément le RSE. Tout à fait. Donc pour répondre plus directement à votre question sur la question des associations, nous, notre choix, il est fait. Bon. Il a été assez naturel dans la mesure où on était précédemment adhérent à un syndicat de courtiers. Et on a, donc à l'instar de ce qu'expliquait Isabelle, eu une affinité naturelle vers une association qui s'appelle Endia, vers laquelle s'est tourné les gros concurrents de place. Donc c'est bien d'abord et avant tout le sujet de la représentativité de notre cœur métier qui nous a attirés. Il y avait une affinité professionnelle également du fait de notre antériorité. Et le processus d'adhésion s'est fait assez naturellement et assez simplement. Aujourd'hui, il relève plutôt, je dirais, d'une obligation formelle. On n'a pas encore la visibilité sur les services que va nous offrir l'association demain, ni par ailleurs les dysfonctionnements potentiels. Bien sûr. Ça va s'ajuster, je pense, on va apprendre en marchant. Et pour répondre quant à la question de l'affiliation, en tout cas l'adhésion de nos mandataires, il y a eu également ce mouvement de questionnement. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait eu une force d'inertie au lancement qui était principalement liée au recours devant la Cour constitutionnelle, devant le Conseil constitutionnel, qui a laissé flotter en réalité l'obligation, laissant espérer que ça serait peut-être pas contraignant pour les mandataires. Quand le sujet a été tranché, ils se sont dirigés naturellement vers une adhésion et finalement ça se régularise, je dirais, assez simplement. Sans qu'il n'ait été requis pour nous, en tout cas mandant, de ne faire plus qu'un devoir, je dirais, d'information. Donc oui, un rappel, mais pas un rappel, poussé, voilà, on a relancé suite à la décision, mais pas plus que ça finalement. D'accord. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez nous récapituler les missions
confiée à ces associations, là, de l'adhésion. Oui. Alors, il y a la principale mission des associations, celle qui inquiète le plus les acteurs du secteur, les courtiers et les mandataires, ce sont les missions de vérification qui ont été confiées à ces associations. Alors, je rappelle, sur un secteur et sur un périmètre extrêmement restreint. Hein. Encore beaucoup me disent, est-ce qu'ils vont contrôler le devoir de conseil? Est-ce qu'ils vont contrôler la lutte anti-blanchiment? Non, les missions des associations sont strictement limitées à des processus de vérification concernant les obligations liées à la capacité professionnelle des salariés affectés à la vente, hein, uniquement ceux-là, ceux qui sont en fait dans le périmètre, leur honorabilité, ainsi que les obligations de formation continue. Donc en fait, effectivement, alors c'est pas une mince affaire. On se rappelle que, et on a fait plusieurs émissions, Jean-Charles, sur ce sujet, le classeur Astré a donné beaucoup de consignes sur ce domaine. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même assez compliqué de réunir toutes les pièces justificatives, cette mission de vérification. Aujourd'hui, techniquement et principalement, je crois que l'ensemble des associations ne vérifie pas au moment de la demande d'adhésion. Elles vous font remplir un tableau en fait déclaratif pour faire vos déclarations, mais encore faut-il connaître le sujet pour renseigner ces tableaux. Comme le disait Stéphanie, on a un peu benchmarké, les requis sont extrêmement différents, certaines associations ne le fournissent pas, d'autres le fournissent et il fait 20 km de colonne. Donc voilà, c'est un sujet, la mission de vérification qui est quand même sérieux. Les associations seront tenues d'aller faire des vérifications réelles des pièces justificatives dans un délai de 5 ans à compter de l'adhésion, hein, donc ça se fera quand même assez doucement, mais néanmoins, ce dispositif va être extrêmement contrôlé. D'où la nécessité aussi de rappeler à nos internautes que les obligations de formation continue pour 2022 doivent impérativement être respectées cette année. Il n'est pas question de louper ces 15 heures de formation continue si on est courtier ou mandataire. Les autres missions sont peut-être moins visibles, et c'est celles-ci, effectivement, comme le disaient Johanna et Stéphanie, qu'on verra apparaître dans le temps, ce sont des missions d'accompagnement. On rappelle que le Conseil constitutionnel a rappelé que ces missions étaient essentiellement pédagogiques, elles étaient d'accompagnement, elles n'avaient pas de caractère punitif, elles n'étaient pas là pour contrôler et sanctionner les membres, mais pour au contraire les professionnaliser. Donc il y a ces missions d'accompagnement, il y a la possibilité d'avoir un service de médiation, il y a tous les accompagnements de ces associations envers les pouvoirs publics. Je rappelle que très récemment, la CPR a communiqué un questionnaire lutte anti-blanchiment qui doit être envoyé avant le 13 janvier et qui va passer par ces associations. Alors pour l'instant, il est passé par le registre ORIAS puisque les associations ne sont pas encore toutes opérationnelles. Mais typiquement, ce type de questionnaire que les courtiers vont avoir régulièrement la nécessité de renseigner passeront par les associations. Voilà, donc ce sont des missions, je dirais, un petit peu de service qui permettent aux courtiers de façon gratuite. Non, ils payent une adhésion. Mais l'adhésion qu'ils payent n'a pas simplement vocation, comme certains le disent, à financer des contrôles. Hein. Ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est de payer effectivement une association qui va permettre aux courtiers d'avoir un support pour se professionnaliser. Voilà. D'accord. Donc on tient son classeur à jour, enfin le classeur oui, Astré à jour. Oui, hein, vraiment ça c'est vraiment important. On le redit le plus possible pour que les clients et les courtiers qui nous écoutent sachent où aller pour chercher les consignes. Ces consignes, on les édicte depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Il est vraiment important aujourd'hui de s'y mobiliser. C'est un vrai travail de réunir les justificatifs de capacité professionnelle de ces salariés, les justificatifs de formation continue, les fiches qui sont liées à l'honorabilité. Je rappelle qu'il faut faire signer une attestation d'honorabilité au moins tous les ans à ces salariés pour s'assurer qu'ils ne sont pas condamnés, de façon à ce qu'ils puissent conserver leur poste. D'accord. Donc vous intervenez, vous êtes intervenu sur certaines associations, effectivement. Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on a eu le privilège et la chance d'aider l'ANACOFI pour pouvoir mettre à jour son livret. Alors plutôt sur la partie justement assurance de dommages et courtage, puisque vous savez, l'ANACOFI est une association qui est plutôt dédiée à l'assurance vie. Et c'est vrai que l'ouverture par l'ANACOFI courtage à des courtiers dommages a nécessité une adaptation de leur livret pour permettre effectivement aux adhérents d'avoir beaucoup de support et beaucoup de modèles afin de pouvoir justement exercer leur métier. Ok. La CPR a fait récemment sa conférence annuelle. Donc, ils ont bien rappelé qu'il y aurait des contrôles. Alors, ils ont surtout insisté sur le fait qu'ils allaient surtout vraiment être là, présents auprès des associations. D'une part, pour les aider à se structurer, à se construire. Je pense que la situation que vous décrivez et que décrivent aujourd'hui Stéphanie et Johanna, je pense qu'elle est connue et elle est tout à fait appréhendée par l'autorité, à savoir que voilà, ce sont des associations qui, pour l'instant, n'ont pas encore atteint leur niveau de maturité. Je pense que la CPR en est parfaitement consciente. Elle a surtout, cette ACPR, insisté sur la
notion de prévention des conflits d'intérêts, d'indépendance et de confidentialité dans l'exercice des fonctions et des missions. C'est un sujet qu'on va aborder, qui est très important et qui, effectivement, inquiète encore beaucoup d'acteurs. D'accord. Qu'est-ce que, Johanna, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que courtier, sur ces missions des associations? Comment vous voyez ça? Alors, vous êtes concerné directement. À titre liminaire et peut-être plus personnel, issu d'une culture anglo-saxonne du fait de mon expérience professionnelle, donc je travaille dans des groupes US, UK, j'ai retrouvé chez Assurance cette appétence à l'autorégulation pour la simple et bonne raison qu'il y a, je dirais, ce glissement culturel vers... Le terme est peut-être un petit peu fort en parlant de subdélégation vers le secteur privé, parce que le Conseil constitutionnel l'a rappelé, il y a quand même une frontière étanche entre ce qui relèvera de la sanction, donc qui est bien une prérogative de l'État. Cependant, il y a quand même ce glissement, on sent ce glissement d'une organisation plus tournée vers le marché, vers les acteurs. Et il y a un corollaire à cette autorégulation, c'est la responsabilisation des acteurs. On est force de proposition quand on est au cœur de son propre dispositif. Et cette souplesse de proposition ouvre un débat qui va, à mon sens, dans le bon sens, puisqu'on discute en amont d'une législation, d'une réglementation, pour essayer d'aménager des dispositions qui ont toujours à cœur de protéger le consommateur. Ça reste le but du régulateur et, dans un sens plus large, du législateur. Cependant, ça ne doit pas se faire au mépris du tissu économique. L'idée, c'est de ne pas tuer les acteurs. Bien Donc, sûr. Ce dialogue, l'autorégulation, elle est aussi là pour accompagner cet échange. Donc, c'est pour ça que je faisais ce parallèle avec la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on a à cœur de proposer en amont, aménager la législation, mais en tout cas d'accompagner le législateur avec quelque chose qui serait opérant pour trouver le bon juste milieu entre protection du consommateur et continuer à faire du profit. Parce que l'idée, c'est quand même de dire que sans consommateur, il n'y a pas de service. Donc évidemment qu'on le protège. A contrario, sans profitabilité d'un service, il n'y a pas de service non plus. Donc il faut trouver ce bon juste milieu. Et je pense que l'autorégulation, c'est le symptôme de cette nouvelle vague, si on peut dire. Et chez Assurante, on s'inscrit complètement dans cette lignée à peut-être un petit peu plus anglo-saxonne d'une autorégulation. Oui. Un mot, Stéphanie, à Johanna, parce que vous êtes effectivement moins concernée. C'est ce que j'allais dire. Laisse le mot d'affaire. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur l'autorégulation pour le moment? Voilà, la question effectivement de l'indépendance, la question des conflits d'intérêts sera une vraie question. On doit rester vigilant. Pour l'instant, elle démarre, mais c'est vrai que ça a été le message de l'autorité, et donc c'est un message qu'il faut que les associations entendent, et surtout qu'il faut que les courtiers entendent pour être rassurés là-dessus. On a beaucoup de questions sur je n'ai pas envie de donner mes pièces, je ne leur donnerai pas mes pièces, je ne vais pas envoyer mes pièces parce que je ne sais pas qui va les regarder, je ne sais pas où elles vont aller. Donc il est très important effectivement que les associations sur ce point communiquent beaucoup avec les membres, parce que voilà, c'est de l'entraide, c'est de la pédagogie. Évidemment, tout sera fait, je pense, et sous le contrôle de l'autorité pour que ces aspects soient vraiment protégés. Donc le danger, oui, le danger peut venir de là. Alors, quelque chose qui débute, l'autorégulation. Alors, effectivement, la deuxième séquence, c'est la résiliation-renonciation des contrats d'assurance souscrits par les particuliers. Alors, j'aurais tendance à dire, qu'est-ce qui se passe là, Isabelle? Là, ça va être compliqué pour nos auditeurs, parce que ça l'est pour nos directrices juridiques et ça l'est aussi pour les avocats. Alors, c'est pas simple. On a à compter du 1er janvier 2023 ou du 1er juillet 2023 un certain nombre de textes qui se télescopent, mais qui néanmoins ont été publiés et qui vont modifier les conditions de résiliation ou les droits de renonciation. Je rappelle, la résiliation d'un contrat, c'est quand on y met fin. La renonciation, c'est quand, en fait, après l'avoir souscrit, on décide de finalement ce qu'on sera n'existera pas et on l'annule rétroactivement. Alors, il y a d'abord un avis du CCSF. Le CCSF a publié un avis le 21 avril 2022. Et cet avis, il a été fait sur la base d'un groupe de travail à l'initiative du médiateur qui avait, dans ses rapports annuels, fait état d'une très forte complexité des mécanismes de résiliation des contrats d'assurance, surtout lorsqu'ils étaient à l'initiative des assurés. On avait, je crois, une vingtaine de cas d'usage. Donc, à chaque fois qu'on était sur une garantie, le droit de résiliation n'était jamais pareil. Donc, c'était très compliqué pour les consommateurs de comprendre. Le CCSF a rendu un avis
proposant aux acteurs de mettre en place à compter du 1er juillet 2023 une résiliation à tout moment, dans le contexte de ce qu'on a connu sur l'emprunteur, c'est l'ère du temps, de tous les contrats conclus par les consommateurs pour leurs besoins, que ce soit des contrats individuels ou des contrats collectifs, donc adhésion individuelle et des contrats collectifs, et ce, après la première année de souscription. Donc en fait, on généralise la loi Hamon, hein, pour dire à nos auditeurs, à partir du 1er juillet 2023. C'est pas mal. On a préconisé, puisque je suis membre du CCSF, vous le savez, également, du coup, l'abrogation de la loi Châtel, parce que ça faisait un peu redondant. Donc ce texte-là, il a été publié, et ce sont des accords de place, hein, de sorte que les acteurs sont censés le mettre en œuvre à partir du 1er juillet 2023. Néanmoins, vient entre-temps la loi pouvoir d'achat qui intervient en août et qui reprend, alors l'avis contenait aussi le délai de renonciation qu'on a proposé également de porter à 30 jours pour les produits affinitaires. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de ces produits offre des périodes de gratuité qui faisaient que les consommateurs qui n'avaient que 14 jours pour le résilier, en fait, le contrat affinitaire, finalement, n'avaient pas l'occasion de pouvoir bénéficier de ce délai, faute pour eux d'avoir compris qu'ils avaient conclu quelque chose. Donc, l'avis du CCSF publié, tout le monde est content, c'est clair. Néanmoins, intervient la loi pouvoir d'achat. Et ce que fait la loi, c'est qu'elle ne reprend pas toutes les dispositions de l'avis du CCSF. Ce qui a été légalisé par la loi du mois d'août, c'est le droit de renonciation, donc effectivement à compter, et pour le coup là, c'est également à compter du 1er janvier et non pas du 1er juillet. Donc c'est ça qui est aussi confusant, c'est que la loi reprend des petits bouts de la vie en mettant des délais plus brefs. Le délai de renonciation sur les contrats affinitaires passe de 14 jours à 30 jours à compter du 1er janvier et on supprime la condition qui existait autrefois à l'exercice du délai de renonciation, qui est le fait de disposer d'une garantie équivalente. Donc à compter du 1er janvier, tous les contrats sont concernés. Alors je précise tout de suite que ce sont tous les contrats, hein, donc y compris les contrats dérogataires, parce qu'on a souvent la question, je suis dérogataire, je ne respecte pas la loi puisque je n'ai pas de droit à respecter. C'est vraiment les contrats qui viennent en complément des biens et des services, j'allais dire tous services confondus. Hein. D'accord. Et puis alors il y a une troisième législation que prend la loi pouvoir d'achat, histoire de simplifier les choses, elle introduit également quelque chose qui avait été préconisé par les associations de consommateurs, c'est la capacité, et ça ce sera applicable au 1er juin, vous voyez, 1er juillet, 1er juin, donc il faut vraiment faire attention au délai, c'est la résiliation dite en trois clics. Donc, tous les contrats d'assurance qui sont vendus en ligne, y compris lorsqu'ils sont vendus en ligne maintenant, mais que le consommateur qui les a achetés avant ne l'avait pas souscrit en ligne, doivent permettre au consommateur d'être en mesure de le résilier de la même manière qu'il a souscrit. Donc en fait, on met en place des dispositifs de résiliation, je dirais, de façon symétrique aux dispositifs de souscription. Voilà, donc ça c'est la loi, et c'est ce qui pose pas mal de difficultés, parce que les acteurs nous disent, bon, on fait quoi? C'est quoi les CCSF? C'est quoi la loi? Voilà la réglementation qu'il va falloir appliquer à compter du 1er janvier jusqu'au 1er juillet. D'accord, donc trois réglementations qui se télescopent. Qui se télescopent un petit peu. Qui se télescopent et en plus avec des, comment dire, avec des contraintes techniques. Puisqu'on parle des relations en trois clics. Alors là, Stéphanie, je me tourne vers vous en tant qu'assureur. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Comment vous faites? Alors, que faites-vous? Écoutez, déjà, alors, il y a une période où ça, tout ça a été très clair pour nous. Je dirais qu'entre le 29 avril et le 16 août, tout allait bien. On avait un avis du CCSF qui était clair, voilà, qui disait clairement qu'il y avait une extension du délai de renonciation, que ça s'appliquait à tel et tel contrat. On avait un délai d'implémentation qui était plutôt cool, puisque c'était au 1er juillet 2023. Voilà, on était plutôt à l'aise et on s'est dit, on va pouvoir mettre ça tranquillement en place. Puis, en plein cœur de l'été, quand même, on a la loi sur la protection du pouvoir d'achat qui est parue. Et là, d'un seul coup, tout s'est obscurci parce qu'on a une loi qui, d'une part, ne reprend pas complètement, comme l'a dit Isabelle, le texte du CCSF, qui, en plus, il y a le futur article L122-10 qui, en fait, comporte une contradiction entre son alinéa 1 et son alinéa 2. Et donc, on a un problème d'interprétation des textes, puisque l'alinéa 2, je fais un tout petit peu technique, c'est qu'elle maintient, en fait, la condition d'une assurance préexistante similaire qui est censée être supprimée par la généralisation du droit de renonciation. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Et en plus, on a un délai d'implémentation qui est très court, puisque c'est le 1er janvier 2023. Donc ça laisse à peine 3 mois, en fait. Ça laissait à peine 3 mois pour s'y préparer, sachant qu'on attend toujours un arrêté d'application, toujours en vertu de ce fameux alinéa 2 qui pose vraiment problème. Donc à partir de là, comment fait-on? Eh bien, alors,
Je voulais souligner qu'en soi, on est tout à fait d'accord avec cette réglementation, puisqu'elle est bénéfique pour l'assuré. Donc c'est quelque chose qu'on soutient et il n'y a pas de sujet avec ça. Mais ce qui est dommage, c'est que ces textes, en fait, sont plus une source de complexité que de simplification. Et donc, on se retrouve face à une situation où on discute avec nos courtiers, mais on n'a pas une solution toute faite, en fait. C'est pas... Parce que pour la résiliation à tout moment, vous faites comment, concrètement ? Alors, en fait, on voudrait la faire. Mmh. On est pour. Mais après, c'est une discussion aussi avec nos partenaires courtiers distributeurs. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément reprise. Et, enfin, en tout cas, elle s'applique à certains contrats qui sont prévus dans la loi, mais pas forcément dans la vie du CCSF ou vice-versa. Donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus imposer les choses si notre courtier ne veut pas suivre l'avis du CCSF. Alors, je ne vous cache pas qu'on s'est un peu replongé dans la hiérarchie des normes, ce qu'on appelle la hiérarchie. Bien sûr, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? On a la loi d'un côté, l'avis du CCSF. Certes, un avis reste un avis, ce n'est pas contraignant, mais dans les faits, aujourd'hui, quasiment la totalité du marché respecte les avis du CCSF. Mmh. Et on sait aussi que quand les autorités viennent nous contrôler, elles y font aussi référence. Donc, du coup, on est un petit peu... Et pour la loi Châtel, alors, même chose, vous la supprimez ? Si on étend, en effet, la résiliation à tout moment, à compter des 13 mois, je pense que oui, il vaudrait mieux la supprimer, parce que finalement, on peut résilier à tout moment. C'est redondant. Voilà, c'est redondant. Mmh. Nous, dans les notices d'information, c'est quand même... C'est assez clair que l'assuré peut résilier à tout moment. C'est quelque chose qu'on met en avant, on ne le cache vraiment pas. Donc, en fait, devoir envoyer un avis d'échéance pour prévenir devient peut-être presque de trop. Redondant, oui. Ouais, et alors, justement, Johanna, vous qui justement parlez de culture anglo-saxonne, donc finalement, la soft law, c'est quelque chose que vous aimez bien. Mais comment vous. quelle est votre position par rapport à ces problématiques de télescopage ? Je dirais que la difficulté sous-jacente à ces mises en œuvre de nouvelles obligations, c'est aussi l'agilité informatique à laquelle il faut répondre dans des délais contraints, parce que on ne peut plus faire l'économie d'articuler l'agenda avec les équipes IT pour mettre en œuvre des nouvelles dispositions. Ça veut dire impacter toutes ces bases contractuelles, enfin je pense notamment aux notices à l'égard des consommateurs. Donc encore une fois, pour rebondir sur le cas caractère anglo-saxon du groupe, il ne faut pas oublier que la conformité est au centre des préoccupations, c'est-à-dire très attachée à une image de marque et ne certainement pas entachée l'image de la société avec des décisions de régulateurs. On a fait de cet allongement de délai de renonciation une priorité. Et on a fait le choix de faire un réarbitrage d'allocation de nos équipes IT pour répondre à cette solution dès le 1er janvier. Donc ça ne se fait pas sans tordre des bras, mais c'est une logique également de remettre le consommateur au centre, puisque l'idée, c'est de lui offrir un droit de renonciation et de répondre aux obligations juridiques dans les temps. La difficulté, je dirais, qu'on a peut-être pas évoquée, c'est que à la fin, ça pèse sur le distributeur courtier. Et donc, l'intermédiaire doit mettre en œuvre les solutions techniques. Ça a un coût. Comme je l'évoquais, il faut mobiliser ses équipes IT. Parfois, elles ne sont pas suffisantes. Il faut avoir des sous-traitants. Ce coût financier ouvre le débat, à mon sens, d'une réouverture du débat du partage de valeur pour que les réglementations qui impactent toute la chaîne de distribution ne tombent pas et ne soient pas défavorables que aux courtiers intermédiaires qui arrivent à la fin de la chaîne. Oui. Donc, ça... les IT. Absolument, absolument. D'accord. Donc voilà, il y a un aspect très favorable sur l'aspect, je dirais, force concurrentielle, d'être prêt ou pas prêt en temps réel. Cependant, ça engage un coût financier qui engage, encore une fois, un débat sur la répartition de la chaîne de valeur.
Le temps passe vite, je voudrais qu'on termine cette séquence. Isabelle, justement, sur Stéphanie parlait de la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement là-dessus ? Oui, c'est compliqué pour les acteurs. Et c'est vrai que autant on peut se satisfaire que le législateur se saisisse des avis du CCSF, qui sont effectivement des accords de place. Et je pense que du coup, ils sont consentis. Alors, pour rappeler à nos internautes, les avis, effectivement, sont des accords de place. Ils sont appliqués, ils sont applicables. Hein. Néanmoins, quand la loi reprend un avis et qu'elle ne le reprend pas dans les mêmes termes, eh bien, c'est la loi, évidemment, qui va primer sur l'avis. En revanche, l'avis reste pour ce qui n'a pas été traité par la loi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut appliquer la résiliation à tout moment des contrats d'assurance et il faut appliquer, selon moi, l'abrogation de la loi Châtel. Néanmoins, il est vrai que le délai est au 1er janvier pour le droit de renonciation et non plus au 1er juin. Et la question, effectivement, de la suppression des conditions, qui a été effectivement très clairement mise dans la loi, devra être clarifié par le décret, l'arrêté, puisqu'effectivement, il y a ce sujet de est-ce que c'est sans condition ou pas. Je pense que c'est sans condition, effectivement, nous le pensons tous. Il y a aussi la question du périmètre des contrats. Ce sont les périmètres des contrats, y compris les contrats dérogataires. Et en réalité, la volonté du chasseur, c'est véritablement de parler de tous les contrats affinitaires au sens extrêmement large. Maintenant, les contrats à durée ferme, notamment pour des annulations de spectacles, il n'y a pas véritablement de renonciation qui s'expose dans ce cadre-là. D'accord. Donc, oui, c'est compliqué. Mais ça fait aussi partie de la régulation de ce secteur aujourd'hui. Hein. Il est de plus en plus finalement régulé par des accords de place. Et finalement, je crois que Johanna a raison, Stéphanie a raison. Il ne faut quand même pas s'en plaindre. C'est plutôt une bonne chose. Hein. Mais je plaide quand même aussi, comme elle, pour un certain ralentissement des choses. Donnons-nous le temps de réfléchir. Donnons-nous le temps d'écrire les choses correctement, de façon à ce que dans la mise en œuvre opérationnelle, ces difficultés n'existent pas. D'où on évite la déferlante de réglementation, qui est le titre de notre émission. Alors, troisième séquence sur la gestion des réclamations. Donc, parlez-nous de cette recommandation. Alors ça, c'est le contraire, mais en fait, c'est un rapport d'étonnement. Hein, on est bien obligé de s'adapter à ce que nous demandent nos clients. Pour moi, cette recommandation était parfaitement écrite et extrêmement claire, et je pensais qu'elle ne posait strictement aucune difficulté. Et puis finalement, nous sommes absolument bombardés de questions sur la plateforme parce que les acteurs ne comprennent pas cette recommandation et n'arrivent pas à la mettre en œuvre. Alors, je pense qu'il y a aussi cette capacité d'avoir pu se mobiliser sur le sujet. Oui, hein. Oui. Mais il y a néanmoins une incompréhension. Alors, il faut un peu rappeler l'historique. Cette recommandation, elle a été réécrite par l'autorité à la suite d'une incitation forte du médiateur et de la présidente du CCSF, que nous avons reçu ici, Jean-Charles, et qui a dicté un rapport sur, justement, les dispositifs de médiation. Je rappelle très vite que l'idée était quoi ? D'améliorer les circuits de traitement et la qualité des réponses, puisque les médiateurs remontaient le fait que plus de 80% des demandes dont ils étaient saisis, ou peut-être pas tout à fait, mais à peu près autour de 80%, étaient déclarées irrecevables par le médiateur de l'assurance ou de la banque, en raison du non-épuisement par les consommateurs des circuits de traitement des réclamations au sein des entreprises et des professionnels. Et donc, les médiateurs disaient, c'est très frustrant pour le consommateur, il arrive au bout d'un parcours de combattant à la LMA ou à la FBF, et on lui dit, mon petit bonhomme, fallait encore avoir un cinquième niveau, et ta demande n'est pas recevable. La deuxième chose, c'est que les médiateurs remontaient l'idée que les réponses étaient de très mauvaise qualité, parfois totalement inexactes, et qu'au fond, ils donnaient en fait très souvent raison aux professionnels, dans la grande majorité des cas, mais ils avaient fait le travail de pédagogie. Donc sur ces deux axes-là, sur ces deux bases-là, d'une part, la présidente du CCSF, vous le savez, a rendu un rapport où elle a donné certaines préconisations, mais en réalité, la CPR, qui participait au groupe de travail, a décidé de rédiger sa réclamation, de la reprendre pour favoriser une meilleure organisation des traitements. Et en fait elle a donné la liberté aux acteurs, et j'ai l'impression que c'est cette liberté qui les choque. Elle a dit deux choses, elle a pas dit 36 choses, elle en a même dit qu'une seule. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut qu'une chose. Efficacité, rapidité, simplicité, lisibilité et compétence. Et là, on a des acteurs qui nous disent, est-ce qu'il faut garder les niveaux ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Il faut juste être efficace, lisible, compétent et de qualité. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque chaîne de distribution d'un produit ait un regard sur le passé, en se disant, est-ce qu'on a des difficultés pour respecter nos délais ? Est-ce qu'on a eu effectivement de mauvaises réponses qui ont été données aux consommateurs ? Est-ce qu'on a eu des saisines importantes de la médiation sur les sujets ? Les assurances affinitaires ont été relevées par le médiateur comme faisant partie d'un montant assez élevé de leurs réclamations. Donc elles sont concernées par un regard sur leur traitement. Et la deuxième recommandation que je fais, c'est travaillons de façon transverse. Il faut qu'assureurs et courtiers se mettent autour de la table pour organiser un dispositif qui soit
en fait, conforme pour eux. Hein. Il n'y a que 60 jours maintenant. Mmh. Il n'y a pas des niveaux qui vont s'empiler de 60 jours, 60 jours, 60 jours. Et il faut qu'à l'intérieur de ces 60 jours, eh bien, on s'adresse aux consommateurs de façon intelligente, pertinente et de qualité. Qui vont y avec 2 mois. Hein. On insiste beaucoup, Jean-Charles, sur la formation des personnes attachées à faire ça, pour éviter qu'on réponde des âneries aux consommateurs. Mais je veux dire, elle ne va pas plus loin, cette recommandation. Mmh. Hein. D'accord, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les assureurs sont un peu perdus. Stéphanie, vous en pensez quoi? Oui. En fait, je fais partie de ceux où, en lisant le texte, je l'ai relu plusieurs fois. Oui. Et donc j'ai demandé conseil. Et donc ça a été un peu plus clair ensuite. Et on a en fait choisi, parce que le timing du coup était le temps de s'interroger, etc. Le timing était serré. Donc en fait, on a divisé en deux, c'est-à-dire les nouveaux produits qui vont être lancés à partir du 1er janvier avec des nouveaux distributeurs, parce que là, on a tout de suite pu dire voilà comment ça va se passer. Et le portefeuille existant, où en fait il faut aussi permettre aux courtiers de s'adapter, parce que eux-mêmes, surtout comme des courtiers comme Assurent, où ça fait partie de leur cœur de métier, donc ils ont des process, etc. Il faut qu'ils fassent des développements. Donc en fait, avec ce portefeuille existant, on a décidé d'aller un tout petit peu plus lentement pour que chacun puisse se mettre en place. Et donc là, ça va se faire plus au fil de l'eau, au début de l'année 2023. D'accord. Donc, est-ce que, en fait, vous confirmez ce que disait Isabelle, finalement, cette marge de liberté, ça vous a un peu surpris? Oui, au début, oui. Au départ, oui. Et d'accord. Puis après, pour les courtiers de petite et moyenne taille, le fait qu'il y ait un niveau 2 avec l'assureur, ça peut aussi les rassurer. Donc, il faut aussi trouver le juste milieu. Donc voilà, on a réfléchi, on en a discuté avec eux, et puis voilà, on met en place les choses. Oui, parce que c'est pour le 1er janvier. C'est bien pour le 1er janvier, là. On est au 1er janvier 2023. Je suis franche, il y aura une petite distinction entre les nouveaux produits, le portefeuille existant. Ça va être fait rapidement, mais forcément, il y a après des contraintes opérationnelles qui font qu'on ne pourra pas respecter ce délai du 1er janvier. D'accord. Johanna, chez Assurante, alors ? Alors, chez Assurante, la gestion des réclamations, c'est au cœur de notre métier. Donc, on a très peu. Nos chiffres sont très bas en termes de remontée, nos réclamations jusqu'au médiateur. Donc, il y a vraiment une expertise métier locale qui est très, très éprouvée, très, très experte. Cependant, je pense que, voilà, à l'instar de toutes les législations qu'on a évoquées, c'est le normal et le pathologique. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle norme. Il y a un côté un peu vertigineux de... ces 2 mois, ça peut venir de partout, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre en marchant. Moi, j'aime bien quand il y a une nouvelle législation, c'est essayer de prendre le cœur de où est-ce qu'on veut aller, de se rappeler que c'est pour que ça soit simple pour le consommateur, qu'il ait plusieurs points d'entrée lisibles, c'est-à-dire qu'il puisse s'adresser à l'un quelconque des acteurs de la distribution et de se débrouiller et de faire notre affaire. Charge à nous de s'organiser en 2 mois pour produire une réponse de qualité. Donc, évidemment qu'on va apprendre en marchant parce qu'il n'y a plus cette escalade. Donc il risque d'y avoir au début un espèce de goulot d'étranglement parce qu'il va y avoir un engorgement finalement des demandes qui peuvent peut-être, je ne sais pas quelle sera l'appétence des consommateurs à se diriger plutôt vers l'assureur que vers le courtier. Ça va dépendre de quelle est l'affinité du consommateur à aller l'un vers l'autre. Donc on va devoir travailler ensemble. Donc encore une fois, ça recoupe avec l'idée de l'autorégulation. On va devoir s'organiser, proposer des réponses efficaces. Et je reviens à mon cheval de bataille initial, c'est que ça suppose aussi des développements IT. Et donc ça suppose aussi des coûts. Et donc toujours pareil, à cœur de répondre à l'objectif de simplicité, d'efficacité et de performance pour le consommateur, de lui répondre avec des réponses claires et construites en collaboration avec toute la chaîne de distribution. Et encore une fois, ceci ayant un coût, il faut que la chaîne de valeur soit répartie de façon équitable et ne pèse pas exclusivement sur le courtier distributeur. Oui, parce que aussi, comme le disait Isabelle, une question de formation. Voilà, moi en fait, si vous voulez, c'est vrai que je rejoins complètement l'approche de Stéphanie et de Johanna. Je pense qu'il y a 3 axes majeurs de travail. Il y a d'abord travailler sur les points d'entrée. Il faut que les consommateurs sachent à qui s'adresser. Vous aviez jusqu'à maintenant des divergences entre la notice, l'IPID, les documents précontractuels. Donc, si vous voulez, le consommateur, il ne sait pas ce que c'est l'exécution du contrat, la formation du contrat. Lui, il a un problème. Il veut avoir un numéro de téléphone ou une adresse à laquelle il doit s'adresser. Bon, il y a un petit modulo de développement, c'est que maintenant...
il va devoir formuler par écrit sa réclamation et on va devoir lui en adresser copie à compter de la date d'envoi. Bon, ça, c'est un... Mais le point d'entrée me semble être un travail transverse extrêmement important. Soyons lisibles sur les points d'entrée pour favoriser l'expression des réclamations. Il y a ensuite, effectivement, le dispatch. Je pense que, comme l'a dit Johanna, c'est une question de professionnel. Ce n'est pas au consommateur de savoir si son problème il doit être traité par un tel ou un tel. C'est au professionnel de dire cette question relève d'un département juridique parce qu'elle est compliquée. Cette question est un problème de gestion. Elle relève de tel. Mais ça, c'est une organisation, moi, je pense, qui doit être faite en interne et en partage, parce que l'assureur peut être loin, mais il faut qu'il soit joignable. Si c'est lui qui centralise le traitement, eh bien, c'est le courtier qui doit être joignable parce que l'assureur est loin. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qui n'ont pas tellement encore suffisamment de séjour dans les relations. C'est pour moi, donc, quelque chose qui s'instaure, qui s'invite dans le dispositif de gouvernance, Et la dernière chose, c'est la formation. Il n'y a pas de formation. On lit beaucoup d'âneries dans les dossiers qui arrivent même chez nous. Hein. Des problèmes de vocabulaire juridique, d'appréciation, hein, de la manière dont on doit répondre. Et du coup, oui, on dit non à un consommateur, mais pas avec la bonne réponse. Et le consommateur a l'impression qu'on l'a trompé, alors qu'il n'a pas droit à sa garantie, mais ce n'était pas pour la raison pour laquelle on lui a écrit. Donc cette formation des collaborateurs dédiée à la gestion des réclamations est extrêmement importante. La recommandation insiste très fortement sur ce sujet. Bien, bah cette émission touche à sa fin. C'est toujours trop rapide, hein, comme d'habitude. Toujours. Alors, on va quand même prendre le temps de conclure avec l'assureur et le courtier. Comment vous voyez, on a parlé beaucoup effectivement, d'augmentation des coûts, de réglementation qui se télescope, pas forcément très lisible, avec pas mal d'interrogations. Bon, finalement, comment... Alors je commence par l'assureur, par Stéphanie. Comment vous voyez cette année 2023, sachant qu'on ne la prévoit pas très florissante sur le plan économique. Bon, maintenant, on peut avoir de bonnes surprises, mais... Voilà. Écoutez, on reste... Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de choses à mettre en place. Ça va être une année chargée, mais finalement, presque comme toutes les années, on reste malgré tout optimiste. Ça nous pousse, en fait, à être, je trouve, encore meilleurs, puisque ce sont des évolutions qui sont positives, tant pour l'assuré que pour les professionnels. Tout ça contribue à améliorer les droits de l'assuré. Et puis, nous, derrière, à mettre en place des mécanismes toujours de plus en plus sûrs. Et puis, je trouve que ça donne une image assez dynamique de notre secteur, parce qu'on prouve qu'on arrive à s'adapter dans des temps records et aussi qu'on n'hésite pas, en fait, à appliquer des réglementations qui sont très protectrices des assurés. D'accord. Avec vous, Joanna, l'optimisme. Oui, exactement. Je pense qu'on accueille très favorablement cette révolution réglementaire, parce que toute situation de crise est l'occasion de créer. Donc, on a beaucoup mobilisé, en tout cas, notre agilité pour répondre dans les temps impartis. On est tous communément alignés sur ce point. C'est favorable aux consommateurs, donc la boucle est vertueuse. Il y aura des points d'attention à porter sur, évidemment, les frottements entre équilibre économique, entre les différents acteurs, la volonté de protéger le consommateur, mais ne pas porter préjudice au secteur. Mais c'est une occasion, encore une fois, à chaque législation, de mettre en exergue le caractère et peut-être même le principe qui est au cœur de chez Assurance, de customer-centric, comme on dit, en tout cas, le consommateur au cœur du produit. Et vous, Isabelle, vous attendez à beaucoup de... Demande de conseil. Voilà, et un message, travailler ensemble. Hein. Travailler ensemble, c'est-à-dire arrêtons de travailler chacun dans son coin. Je pense que ces législations qui ont toujours été dans cet esprit depuis la gouvernance des produits, le devoir de conseil, mettent les professionnels de la chaîne sur le même pied d'égalité en termes d'engagement. Hein. Et donc arrêtons de dire c'est au courtier de faire ou c'est à l'assureur de faire. En fait, je crois qu'il faut qu'ils fassent ensemble. Et plus ils feront ensemble, et la question des coûts est aussi une discussion. Hein. Il y a sur beaucoup de sujets souvent, c'est ok, je ne m'occupe pas et c'est ton problème. Non, c'est le problème de la chaîne de distribution que de satisfaire les intérêts du client. Et en fait, les législations le disent de plus en plus, mais ces recommandations, d'un point de vue purement opérationnel, nécessitent ce travail d'équipe. C'est vraiment quelque chose que j'appelle de mes voeux, car quand on est missionné sur cette problématique, on est souvent, nous, avec les deux, et on a du mal à les faire parler, on a du mal à faire qu'ils communiquent de façon constructive ensemble pour arriver à un résultat qui, finalement, est dans leur intérêt commun, puisqu'ils sont partenaires, hein, ils ne sont pas en contentieux dans ce cadre-là. Les amis, merci. Merci d'avoir choisi ces trois thèmes. Et puis, on a vu qu'il y en avait d'autres.
Donc on a encore une belle année devant nous pour expliquer, la réglementation. Stéphanie Ruscon, merci Johanna Gendolo aussi également. Merci d'avoir apporté votre témoignage de terrain. Donc Stéphanie Ruscon, je rappelle, vous êtes directrice juridique et conformité de l'assureur Sénat. Hein, et Johanna Gendolo, bah, vous êtes directrice juridique régionale Europe. Grosse région. Et membre du comité de direction d'Assurantes. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et joyeuses fêtes. Et surtout joyeuses fêtes de fin d'année. Et on se revoit pour un nouveau droit de savoir, évidemment, tout au long de l'année, plusieurs droits de savoir, évidemment, tout au long de l'année 2023. Merci à tous et au revoir.